Phénix vit que les sbires de Typhon avaient cerné l'étranger, ne lui laissant aucune issue. Le combat s'annonçait difficile. Ah, j'espère que l'étranger va mourir. C'est fini. Tu peux sortir. Non, merci. Je suis bien où je suis. T'as aucune raison de t'inquiéter. Si j'avais voulu te faire du mal, il y a longtemps que je me serais occupé de toi. Très juste. Alors, dans ce cas... Phénix. Original comme nom. Merci pour ton aide, Phénix. Joli bracelet. Merci. Je vais au temple d'Apollon. Il faut que je rencontre l'oracle. Moi aussi. C'est par là. Formidable. J'ai besoin de toute l'aide possible. Nous pourrions y aller ensemble. Hé, mais où es-tu passé? Mes brassards. Ah, le sale voleur. Je t'ai sauvé, je te signale. Je sais ce que tu ressens, ma petite. On fait tout ce qu'on peut pour eux, et ils nous trahissent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a eu l'idée de cette entrée? Un comique? Un acrobate? Un magicien? Je ne sais pas. Les mortels sont pleins de surprises. Approche. Viens dans la lumière.
Les mystères que j'ai à offrir sont aussi infinis que le nombre de grains de sable qui parcourent le sol de ce monde. Quelle est ta question ? Ô sage oracle, comment puis-je lever la malédiction qui a transformé tout le monde en statue ? Oh, ça c'est... C'est une vraie question. Je n'en sais rien. C'est un mystère. Dans ce cas, comment puis-je récupérer les brassards qu'on m'a volés ? Oh, c'est un autre mystère. Oui, c'est pour ça que je suis venue te voir. Toi, l'oracle. Oui, oui. Eh bien, à ce propos, je ne suis qu'un prêtre. L'oracle a fini en statue. Mais ces fumées, c'est... quelque chose. Tu crois qu'on appelle le sable sable parce qu'il n'est ni sale ni stable ? As-tu vu un petit homme aux cheveux dorés ? Non ? Bon, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Deux fois le verbe aller dans la même phrase, et pourtant, tu es toujours là ! Mon frère a été pétrifié et je ne peux rien pour lui. La personne que j'ai essayé d'aider m'a volé, et toi, tu n'es bon qu'à rire et à faire de l'humour vaseux. Oh, tout ça est vrai. Tu es une oracle. Oh, oh, en partant, si tu pouvais me trouver quelque chose, je meurs de faim. Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Un mont orné et sain de boucles mène au gain. Le monstre avance, affamé d'immortels défauts. L'âme héroïque les a tous arrachés au fléau. Lance l'assaut aidé du messager ailé et sans tarder, remétamorphose-les. Perles en eau agitée, feu de forge rallumé, enfant persuadé et esprit léger, aîné de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Waouh ! Ça, c'est de la prophétie ! Quoi donc ? En fait de prophétie, je viens simplement de répéter que j'ai très faim. D'ailleurs, si tu peux me rapporter des olives. Hé ! Voleur ! Tu peux récupérer les brassards. Là où tu vas, tu en auras besoin. Viens avec moi. Ah non ! Écoute, je regrette de t'avoir volé. C'est ma nature, et je suis conscient du problème. Alors, ça te va ? Non, ça ne me va pas du tout. J'avais besoin d'une offrande pour l'oracle. Je t'ai cru sans importance et je n'aimais pas ta tête. Mais c'est derrière nous maintenant. Il faut qu'on parte. Tu n'aimais pas ma tête ? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il sera bientôt là. Qui ? J'ai quelque chose qui te permettra de rejoindre la Grande Terre. Où ai-je mis ces ailes ? Celle-là ? Qui vole l'autre maintenant ? Et ne sois pas si triomphante, tu ne peux pas encore t'envoler. Il te manque quelque chose. Comment ça, m'envoler ? Concentre-toi. Il nous faut ensuite une jarre qui fut dérobée à Éole. C'est là-dedans ? Je vais commencer les préparatifs. Retrouve-moi au sommet de l'observatoire avec la jarre. Je ne comprends pas ! Tu es en grand danger. Aide-moi à t'aider. D'accord. Mais à propos de ce que tu as dit... Et tu n'es plus là. Bon, allez. Reste à trouver comment franchir cet obstacle. Ugh!
Le chemin labyrinthique qui s'étendait devant Phénix était intimidant, mais la lueur des étoiles lui montrait la voie. Ah bah elles sont sûrement là, les livraisons que j'attends encore. Aller plus loin que la plupart des gens. Ne t'en fais pas. Je vais venir à ta rencontre. Ah!
tandis qu'elle traversait les enfers, Phénix songea à ses parents. Était-il à l'abri, à Arcos? Avait-il, eux aussi, été transformé? Elle ne pouvait s'empêcher de mourir. Allez, un monstre maintenant! Il est énorme! Mais Phénix rit aux éclats. Viens voir maman, enfoiré. Non! Bon, comme ça, tu veux t'amuser. Oh, c'est trop mimi. L'adorable monstre était joueur comme un chat, incarnant tous ceux dont elle avait rêvé pour chasser ses idées noires. Il était un doux présent de l'Olympe, qu'elle chérirait à jamais, du fond de son cœur vulnérable, qui alors n'aurait cesse de grandir. D'accord, tu as gagné. Mais si je vomis, c'est de ta faute. Désormais prête, Phénix affronta le monstre, qui soudain attaqua. Nous avons tant de choses à nous dire. Qui, ou quoi que tu sois, tu ne me fais pas peur. Un instant. Quand le voleur a dit que c'était la jarre d'Éole, j'ai cru que le dieu des vents serait dessus, pas à l'intérieur. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent. C'est impossible.